Un jour, je n'ai plus pu. Oh, bien sûr, il y a eu des signes avant-coureurs, ce genre de choses n'arrive pas ex nihilo. Le dégoût, d'abord ponctuel, a pris place insidieusement jusqu'à m'envahir complètement. Comme un épuisement psychique, un burn-out, une impossibilité de faire un pas de plus, de rouler un kilomètre supplémentaire sur cette longue route de la perte de sens. J'ai repensé à ces innombrables rapports auxquels je m'étais forcée à consentir par politesse pour ne pas froisser les égos fragiles. À toutes les fois où mon plaisir était optionnel, où je n'avais pas joui. À toutes ces nuits où je m'étais ennuyée, où j'avais simulé dans l'espoir que la chose se termine au plus vite. À tous ces coïts où j'avais eu mal avant, pendant, après. Aux préparatifs douloureux à coups d'épilateur. Aux pénétrations à rallonge, aux positions inconfortables, aux cystites du lendemain et à la difficulté de trouver un médecin en urgence. Aux mycoses, parce que se laver les mains c'est trop leur demander. À l'alcalinité du sperme qui détruit la flore et aux vaginoses. Je me suis remémoré tous ces sacrifices pour rester coté à l'Argus sur le grand marché de la baisabilité. Toutes ces années de restrictions alimentaires, ces milliers d'heures de cardio à jeun jusqu'à l'évanouissement. Tout cet argent envolé, claqué dans de la lingerie, des talons hauts qui font souffrir et entravent la capacité à se mouvoir. Les crèmes hors de prix qui ne tiennent pas leurs promesses. La cryolipolyse qui congèle la graisse. Les peelings qui brûlent la peau. Et tant d'autres violences tout aussi onéreuses. Tous ces moments de torture où j'ai payé pour me faire mal. Tout ce temps gâché à me vernir les ongles des doigts de pied, à m'infliger masques et gommages, atteindre mes cheveux gris pliés en deux au-dessus de la baignoire. Toute cette mascarade, destinée à attirer le chaland ou à maintenir le désir après des années de vie commune. Toutes ces heures consacrées à m'instruire et à devenir une technicienne du sexe pour mieux satisfaire l'autre qui, in fine, se contentera de va-et-vient après un cunnilingus bâclé. Cette vie entière tournée intégralement vers le désir des hommes et l'attente d'une validation par leur regard. Cette servitude volontaire à laquelle se soumettent les femmes hétérosexuelles pour si peu de plaisir en retour. Sans doute par peur d'être abandonnées, une fois fripées comme ces vieilles filles qu'on regarde avec pitié. Tout cela m'a soudain semblé insupportable. Alors un jour, j'ai arrêté le sexe avec les hommes. Selon les statistiques, je ne suis censée fermer boutique qu'à partir de la ménopause. Ce moment qu'on nous présente comme une zone de néant, un triangle des Bermudes, où le désir échapperait à tous les radars, où les femmes devenues indésirables seraient condamnées à errer à la recherche d'un maître, tête des chiennes abandonnées dans la forêt. Pour l'instant, je n'en suis encore qu'au début de la quarantaine, cet âge cruel pour les femmes. Cette date de péremption, à partir de laquelle les hommes consommateurs froncent le nez en nous évaluant, tels des yaourts encore mangeables, mais pas loin de se vider de leur eau. Seuls les aventureux les consommeront pendant encore quelques petites années, parce que la date de péremption, ça ne veut rien dire, avant de jeter bientôt ces vieux pots à la poubelle pour acheter un pack tout neuf. La quarantaine, cet âge où l'on commence à admettre qu'on ne fera pas ou plus d'enfants. Et avec cette grève du sexe et ce début de quarantaine, je ne peux m'empêcher de m'interroger sur ma valeur sociale en tant que femme. Car ce qui détermine la cote d'une femme dans notre société, c'est sa baisabilité, effective ou symbolique. On croit que le rôle assigné aux femmes est d'abord de devenir mère, puis de devenir des working moms accomplies. Quelle hypocrisie! Quand on sait qu'au fond, notre rôle de femme hétéro est en premier lieu d'être baisable et de tirer profit de cette baisabilité. Non pas par de l'argent liquide, non mon Dieu, quelle horreur! Ça ferait de nous des putains, et la société déteste les putains. La société déteste les putains à cause de leur lucidité qui nous insupporte, parce qu'elles savent, depuis longtemps, ce que nous refusons de voir, que l'hétérosexualité est un travail gratuit. L'hétérosexualité est un travail gratuit. L'hétérosexualité est un travail gratuit. L'hétérosexualité est un travail gratuit.
L'hétérosexualité est un travail gratuit. Oui, nous, hétérosexuels, sommes des putes gratuites, que nous nous vendions à un seul homme ou à la masse. Nous refusons catégoriquement les transactions en cash, qui sont un peu trop honnêtes, trop contractuelles, sans enrobage. Il nous faut des rosées de l'amour, vous comprenez. Il est impératif de faire perdurer cet immense mensonge selon lequel les relations affectives ou sexuelles seraient désintéressées. Or, je le dis haut et fort, l'hétérosexualité n'a rien de gratuit, c'est un système purement vénal. Et depuis que le monde est monde, les femmes échangent le sexe contre quelque chose. Des biens matériels, de la sécurité, de l'amour, de la revalorisation. Elles ne baisent jamais totalement gratuitement. Et ce, pour une simple et bonne raison. Les hommes hétéros baisent mal. 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 Alors s'il n'y a aucun plaisir à en tirer, autant se rendre à l'évidence. Il s'agit d'un pur échange économico-affectif. Et si vous trouvez que j'exagère, demandez-vous pourquoi, dans les contes de fées, les jeunes filles veulent épouser un prince et non un prolo. Pourquoi dans la chiclite et autres 50 nuances, les héroïnes sont prêtes à se faire fouetter pour peu que le héros soit fortuné. C'est drôle comme ces contes BDSM, qui nous abreuvent de romantisme à coups de martinet, se déroulent toujours dans des châteaux et jamais dans la cité des 3000. La beauté et la soumission sexuelle sont les seules choses que nous ayons à monnayer. Contre une bonne situation ou contre un capital social, une particule ou un poste, et pourquoi pas contre des papiers, puisque les hommes sont prêts à croire en toute bonne foi qu'une jeune fille de la moitié de leur âge rencontrée en Thaïlande pourrait tomber amoureuse de leur gros bide. Leur capacité à se mentir à eux-mêmes me fascine. De nouveau, je ne peux m'empêcher de penser à tout ce temps perdu, à toutes ces heures cumulées de baises minables, à toute cette énergie gâchée, à tout ce que j'aurais pu faire à la place. J'ai l'impression d'avoir sacrifié des pans entiers de ma vie et j'enrage en me rendant compte qu'on ne me les rendra jamais. J'en veux aux hommes autant qu'à moi d'avoir participé à ce jeu de dupes. J'y suis allée, j'y suis retournée, j'ai respecté les règles. Je me demande ce qui peut nous pousser directement dans leurs bras. On a beau connaître l'histoire par cœur, on revient sans cesse vers eux, et le plus grave, c'est qu'on les défend. Il ne faudrait pas non plus passer pour des méchantes sorcières misandres, des féministes poilues qui, c'est bien connu, finiront seules avec leur chat, malheureuses de ne plus être regardées. On craint tellement d'être décotées à l'argus qu'on préfère caresser les hommes dans le sens du poil, y compris lorsqu'ils nous humilient, lorsqu'ils nous frappent, lorsqu'ils nous violent, car rien n'est pire dans notre société que de ne plus être désirable. On accepte de rester chosifié à condition d'être un objet de valeur, pas une salope bon marché. On est prête à tout, même à enfoncer les autres femmes dans une compétition intrasexuelle sans pitié. Oh non, moi je suis pas féministe, hein, j'adore les hommes. Et si on tend l'oreille, on entendra ce cri du cœur. Pitié, pitié, ne cessez pas de me désirer, de me dire que je suis la plus belle que les autres femmes, plus belle que mes amis, plus belle que mes collègues, plus belle que ces jeunes filles sur lesquelles les hommes se masturbent. Car la beauté des autres nous insécurise. Il n'y a qu'à observer notre tête lorsqu'une belle femme fait irruption dans la pièce. Nous la jalousons et parfois nous allons jusqu'à la rabaisser. Moi au moins j'ai un cerveau. Toi tu seras moche et tu monnaieras ton intelligence. Toi tu seras belle et tu marchanderas ton corps et ta valeur de femme trophée. Nous reproduisons entre nous ce que les hommes font de nous. Des corps et uniquement des corps. Des corps, des corps, 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 et uniquement. Et je reste persuadée que si nous nous démolissons mutuellement dans cette compétition sanglante, où chacune se définit comme rivale de l'autre,
c'est parce que les femmes se construisent par opposition ou par mimétisme. Combien de fois, dans mon insécurité, me suis-je positionnée en ennemie, là où au contraire, j'aurais dû faire front avec mes sœurs. Je suis tombée dans ce piège parce qu'on éduque les femmes à se contempler morceau par morceau, entre le nez à refaire, les fesses à remuscler, les lèvres à repulper, les bras à raffermir, le sexe à épiler. Nous ne nous envisageons jamais dans notre entièreté. Nous sommes des poupées démembrées. Nous sommes morcelées, telles 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 des poupées démembrées. Mais être belle ne suffit pas, il faut surtout être bandante. Comme si l'érection était le pôle d'orientation de notre existence. Nous sommes tyrannisés par notre quête désespérée et obstinée d'être au cœur du désir des hommes. Et cette quête est délétère, car elle nous condamne à n'être définis que par l'axe d'un désir extérieur et à nous entrejalouser. Et j'attends le jour où nous prendrons enfin collectivement conscience qu'on nous divise pour mieux nous soumettre. Nous jetterons aux ordures nos gélules mange-graisse, nos escarpins qui font saigner les pieds et nos tangas qui nous rendent dans l'arrêt du cul. Mais quel est ce monde où des femmes acceptent de risquer leur vie dans un bloc opératoire pour avoir des gros seins, pour que des hommes viennent y coller leur bite en attendant qu'on leur fasse une cravate de notaire? Et c'est bien pratique de nous maintenir dans cet enclos symbolique. Qu'il s'agisse de nous imposer d'être de parfaites fées du logis ou de nous envoyer courir sur un tapis roulant, en fin de compte, c'est toujours la même histoire. Le fond idéologique reste le même. Voilà, voilà ce que m'a permis de comprendre cette grève du sexe. Que par la dévalorisation systématique de notre physique, en nous faisant croire que nous ne sommes jamais assez jolies, ce monde nous plonge dans une anxiété et une insatisfaction permanente qui nous pousse à poursuivre un idéal inaccessible. Et maintenant que j'ouvre grand les yeux, je comprends enfin à quel point j'ai été prisonnière d'un syndrome de Stockholm à grande échelle, un monde insensé où on ne peut s'empêcher de désirer l'oppresseur et de lui rester éternellement subordonné. Alors où sont-ils ces hommes bien dont on me vante tant les mérites ? Où se cachent-ils, ceux qui seraient prêts à m'aider, à me délivrer de ce système mortifère qui étend les femmes? On trouvera toujours tel ou tel exemple, l'exception qui confirme la règle, l'allié, l'homme déconstruit, celui qui, au passage, se croit au-dessus de la mêlée, fier de ne pas ressembler à tous ses porcs. Jusqu'à ce qu'il se comporte comme eux, et tous ces mecs de gauche qui baissent comme des mecs de droite, sans jamais politiser l'intime, sans jamais dénoncer la consommation des corps, sans penser l'égalité au lit, qui laissent leurs convictions à la porte de la chambre à coucher. Je les supporte plus. En réalité, je connais davantage de femmes mal baisées que d'hommes bien. Mal baisées. Voilà d'ailleurs une insulte intéressante. Mal baisées. C'est féministe. Toutes des 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 mal baisées. Mais évidemment, évidemment que nous sommes mal baisés, c'est justement ça le problème. Pourquoi devrions-nous en avoir honte? Ce serait plutôt à nos partenaires de raser les murs, ils ont leur part de responsabilité dans cette affaire, me semble-t-il. Mal baisés. Je ne suis pas mal baisée parce que je suis féministe, c'est absolument l'inverse. Je suis féministe parce que je suis mal baisée. Je suis féministe parce que je suis mal baisée. Je suis féministe parce que je suis mal baisée. Je suis féministe parce que je suis mal baisée. Je suis féministe parce que je suis mal baisée. Et si toutes les mal baisées de la tête s'unissaient, et si toutes les mal baisées de la planète s'unissaient, elles créeraient le mouvement politique le plus puissant de tous les temps, et le monde imploserait. Parce que je suis mal baisée. Peut-être vous demandez-vous ce que j'aurais voulu? Alors voilà ma réponse. Ce que je voudrais, c'est un couple exclusif,
où chacun trouverait suffisamment de sources d'accomplissement dans sa vie personnelle pour ne pas avoir besoin de se disperser dans de basses relations adultérines ou des romances à la petite semaine. Je voudrais qu'on m'aime, moi, pour ce que je suis et non pour ce que je représente. Qu'on m'aime et qu'on me laisse libre de vaquer à mes occupations, de la même manière que je respecterai la liberté de l'autre, parce que cette relation serait fondée sur la confiance et la sécurité. Je voudrais croire en un amour affranchi de notre culture de la domination, en un monde dans lequel il serait possible d'envisager l'égalité entre deux êtres, une hétérosexualité qui trahirait le patriarcat, pour citer Mona Chollet. Je fantasme une société plus égalitaire, où les individus vivraient et travailleraient ensemble d'égal à égal, et qui ouvrirait la voie à des relations d'un type nouveau, fondées sur l'affection mutuelle, et non plus entachées par des questions de propriété, de possession, de valeur, de prix et d'échange. Vous voyez bien que c'est strictement impossible. Bonsoir. Bonsoir. Grosse ambiance. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Karen El-Kaïm et ce n'est évidemment pas évident de prendre la parole après avoir écouté un extrait de ce texte puissant. Merci avant tout à Ovidie, à Position Parallèle, pour cette belle interprétation qui vous donne un avant-goût de La chair est triste, hélas, aux éditions Julliard. C'est un livre, vous l'aurez compris, nécessaire, révolutionnaire, tantôt enragé, tantôt drôle, tantôt sensible, provoquant, pudique et lumineux. Bonsoir Ovidie et merci Bonsoir. D'être avec nous. Alors votre thèse, elle s'appelait « Se raconter sans se trahir ». C'est déjà très révélateur. En quoi est-ce que vous prolongez cet esprit dans ce texte et pourquoi est-ce que vous êtes néanmoins perçue comme quelqu'un qui peut trahir des choses ? C'est compliqué parce que moi j'ai beaucoup dit je dans mon travail, mais sans forcément dire grand chose de moi, ou parfois en allant interviewer d'autres personnes, par exemple dans le travail documentaire que je peux faire, en général je m'exprime à travers la parole des autres. Et là c'était la première fois que je parlais de moi à ce point et que j'employais la première personne pour vraiment dévoiler, voilà, on est dans ce qu'il y a de plus intime, quoi, le corps, le rapport au corps, la sexualité, le rapport à la mort, le rapport à mon frère, le rapport à plein de choses. Donc c'était un peu casse-gueule, je dirais, de se dévoiler comme ça, parce que c'est ce que je dis dans le préambule, enfin dans l'avant-propos. Je dis que c'est un texte qui, si on gratte trop fort, laisse apparaître la laideur, mais la mienne aussi. C'est ce que je dis dedans. Ça laisse, je n'ai pas l'impression que ça me présente sous mon meilleur jour non plus dans ce texte-là. Donc c'est une prise de risque, mais je crois que je ne me suis pas bien rendu compte en le faisant. En plus, ça arrivait dans un contexte un peu bizarre. C'est-à-dire, on avait déjà ce projet-là avec Vanessa Springora. De travailler sur ce texte, mais moi je l'ai vraiment écrit dans un moment de vulnérabilité que je raconte dans le texte, qui est un moment où je suis tombée sur la tête et où donc c'était une période où j'étais chez moi et où j'étais vraiment dans un truc de vulnérabilité et en fait je pense que ce choc sur la tête m'a permis d'ouvrir les vannes et de dire vraiment tout ce que j'avais sur le cœur, là comme ça tout sortir. Et après, une fois que je l'ai envoyé à Vanessa et qu'elle a lu, qu'elle m'a fait un premier retour et que j'ai relu mon texte, je me suis dit oh, merde, comment je vais faire quoi. Il y a vraiment eu ce truc de comment je vais gérer la sortie de ce machin-là, c'est pas possible quoi. Et puis ben voilà, ben, pff,
foutu pour foutu, je suis là, quoi, en fait. Trop tard. Alors, vous avez effectué au départ des études de philosophie, des études de lettres aussi, vous avez un doctorat. Qu'est-ce qui vous aide à travers l'écriture, à travers les textes des autres pour exprimer vos émotions ? Ouh là là. On choisit jamais son corpus de thèse, par exemple, par hasard. Moi, j'avais pris en plus Cyril Collard et Eva Ionesco aussi. Enfin voilà, donc. Et puis en plus, dans une thèse, c'est un exercice un peu compliqué parce qu'on peut vraiment pas parler de soi. Enfin là, c'est un truc qui est quasi interdit. Donc, écoutez, je sais pas comment trop répondre à votre question. Après, c'est les personnes à travers, enfin les œuvres que je choisis, à travers lesquelles je m'exprime finalement et je dis un peu de moi indirectement, ça se termine rarement bien. C'est ça aussi qu'il faut, et c'est souvent des plaies à vif. Enfin, je pense à Collard, justement, c'est un écorché vif. Il s'est livré en sacrifice, quoi, pour moi, je trouve. Enfin, bon, bref, il était dans cette urgence de d'écrire, de faire faire son film. C'est quelqu'un, je ne sais pas si vous aviez en tête Cyril Collard, Les Nuits Fauves, c'était vraiment très beau. Et bon, voilà. Ou Nelly Arcand qui vous a beaucoup inspiré aussi. Nelly Arcand, bien sûr, c'est pareil, ça ne se termine pas très bien, l'histoire de Nelly Arcand. Donc, ouais, non. Parfois, je me pose la question, je me dis, c'est marrant, pourquoi est-ce que je choisis ces textes-là ? Mais c'est vrai que Nelly Arcand, pour avoir travaillé sur Nelly Arcand, effectivement, je ne me suis jamais autant exprimée qu'à travers le texte. D'ailleurs, c'est elle qui fait l'ouverture du texte. C'est Nelly Arcand et Valérie Solanas, donc ça donne le ton. Alors, ce livre s'inscrit dans une collection imaginée par Vanessa Springora qui s'appelle Fouteuse Trouble. En quoi est-ce que vous en êtes une ? Franchement, je ne sais pas. Je pense que c'est à Vanessa de poser la question, parce que moi, je ne sais pas, je ne prétends pas forcément en être une. En plus, moi, je suis assez solitaire, je suis beaucoup dans ma campagne, là, avec les chiens et tout ça. Et je me rends pas forcément compte de, pour être une fauteuse de troubles, en fait, faut avoir une volonté de mettre le sbeul, en fait. Et moi, je le vois pas forcément. C'est hop, je lâche la bombe et puis hop, je retourne dans ma campagne avec les chiens et voilà. Mais je j'ai pas la volonté, bizarrement, d'être. En plus, je suis pas hyper belliqueuse et tout. Mais donc, j'ai pas la prétention d'être une fauteuse de troubles. Et à travers votre parcours, on peut quand même dire que vous l'êtes. Vous n'avez pas été vers des thèmes anodins. On peut vous traiter de ce que Mona Chollet appellerait les sorcières aujourd'hui, ces femmes qui osent mettre la lumière sur certaines zones d'ombre. Pourquoi vous allez vers ces zones-là ? Je sais pas, parce que soit les sorcières ou les putains, elles me semblent beaucoup plus sympathiques. J'ai une grande sympathie. Donc oui, peut-être que je m'identifie plus facilement à elles. On le voit aussi que ce soit à travers cette identité d'Ovidie que vous vous êtes octroyée à l'âge de 18 ans. On peut d'ailleurs peut-être dire en quelques mots qui est Ovidie. Ce n'est pas lié à Ovide, mais non. Un personnage très particulier. Non, c'est un personnage de bande dessinée. C'est un rat, Ovidie, qui vit dans une décharge et qui un jour refuse d'arrêter de pondre comme ça à la chaîne des petits. Donc elle rencontre, c'est une BD de Petit Luc, c'est un dessinateur qui s'appelle Petit Luc. Et voilà, et elle rencontre un sans-queue, donc un hamster, qui lui prescrit la pilule. Et donc, comme ça, elle arrête ce cycle infernal de la reproduction, parce que les rats, je ne sais pas si vous en avez déjà eu, mais les rats, vraiment, ça se reproduit très vitesse grand V. Donc, ça stoppe ce truc-là. Et elle devient pote avec ce hamster et un autre rat qui s'appelle Tristan, qui est un rat homosexuel dont le petit ami, dont le compagnon de vie est massacré. Et donc, ils se retrouvent tous les trois, comme ça, à former ce petit groupe. Et puis, ils réfléchissent à comment faire la révolution. Donc voilà, ça, c'est pour la petite histoire, c'était ça. Et sinon, Ovidie, c'est pas mon prénom. Et je dirais que c'est bien pratique aussi d'avoir un deuxième prénom, d'avoir une deuxième identité. Parce que parfois, justement, c'est facile d'envoyer une autre que soi au front. Comme ça, genre, vas-y, va prendre les balles. Et quand Héloïse reste bien sagement chez elle, quoi. Donc il y a un truc de deuxième identité qui permet de dire des trucs que je dirais peut-être pas sous. Enfin, c'est bizarre, hein, mais parce que maintenant, enfin, je veux dire, les gens, enfin, je suis identifiée comme telle, mais c'est un truc de protection d'avoir une seconde identité. Et c'est ce que je dis dans
dans le livre aussi, qui change d'identité, c'est les travailleuses du sexe changent d'identité, les sœurs aussi, les bonnes sœurs changent d'identité, elles se rebaptisent, et puis les personnes qui font leur transition aussi. Donc moi je trouve qu'il y a un truc intéressant dans cette histoire de se rebaptiser, qu'est-ce qui nous pousse à nous rebaptiser comme ça? Qu'est-ce qui nous pousse à écrire aussi? Parce que c'est peut-être parce que vous avez cet alter ego qu'il y a des choses qui peuvent se libérer en vous. Et comme vous l'écrivez dans l'introduction de ce livre, finalement, il renferme tout ce que vous vous interdisez de verbaliser. C'est quoi alors la force de l'écriture? Écrire, c'est s'emparer d'un espace de parole qu'on ne m'autorise pas ou que je ne m'autorise pas, en fait. C'est souvent quand on a une parole, surtout sur l'intime, dans la sphère intime, je ne parle pas de la sphère publique. Je pense que dans la sphère publique, n'importe qui peut dire n'importe quoi, voilà, même des trucs délirants. Enfin bon, voilà, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est dans la sphère intime, quel est notre espace de parole? Et moi, j'ai eu l'impression, pendant 25 années d'hétérosexualité, que cet espace de parole, finalement, alors que pourtant j'étais censée réfléchir sur les questions de sexualité, machin et tout, que cet espace de parole ne m'avait pas forcément été accordé. Et que, en plus, moi, je suis quelqu'un qui parle pas fort, qui s'énerve pas trop, qui crie rarement, enfin, vraiment jamais même. Enfin, je m'énerve pas trop, quoi. Donc, il y a un moment, il faut que ça sorte. Et là, c'est comme si, je sais pas, il y avait eu 25 ans à cogiter comme ça, 25 ans qui éclataient comme ça d'un coup. Même au niveau de la musicalité, vous l'avez perçu, c'est un livre qui ressemble à un cri, et on voit aussi qu'il s'inscrit néanmoins dans une trame qu'on retrouve dans votre travail. C'est ce goût aussi pour la marge ou pour les sujets qui ne sont pas légitimes. Pourquoi? Ah ouais, mais ça c'est mon obsession, l'absence de légitimité. Après, je pense que c'est aussi un truc de femme. Je pense qu'on est un certain nombre à toujours douter de notre légitimité, de se dire qu'on n'est pas à notre place, qu'on ne mérite pas ce qu'on a, ou que je ne sais pas. La question de la légitimité, elle est fondamentale. Bon, déjà, parce que moi, je ne fais pas de hiérarchie des objets culturels. Je considère que voilà, tout se vaut, tous les objets culturels se valent. Et après, la question de la légitimité, mais aussi parce qu'on m'a fait douter de ma légitimité pendant super longtemps. De toute façon, dès que j'ouvre la bouche... on va dire ah oui mais gna 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 Ovidie gna 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 puis bon et puis tout ce que vous imaginez quoi. Donc en fait c'est compliqué et c'est vrai que faut tout le temps remettre son titre en jeu, essayer de se justifier de pourquoi on est là, enfin c'est chiant quoi. Mais oui, la question de la légitimité et aussi du processus de légitimation parfois qui se met en route, on se dit tiens mais pourquoi on m'a craché à la gueule pendant tant d'années? Pourquoi tout à coup, là, il y a des trucs où on me file des prix et tout? Je me dis, mais c'est quoi ces conneries, en fait? Parce que moi, je suis quand même marquée au fer rouge depuis 25 ans maintenant. Et je me dis, tiens, c'est marrant, tout à coup, un jour, on vous crache dessus, le lundi, on vous crache dessus, le mardi, on vous trouve formidable. Donc, que ce soit la légitimité ou le processus de légitimation, pour moi, c'est vraiment des trucs qui me font cogiter tout le temps. Et qui m'obsède même. Tout à l'heure, on parlait de Nelly Arcand, mais moi, je pense qu'elle en est morte de ça, Nelly Arcand, elle est morte avant que la légitimation se mette en route. Et c'est vachement intéressant, d'ailleurs, hein, parce que je crois que les putains, on les aime que quand elles sont mortes. Parce que tout de son vivant, Nelly Arcand, elle a eu énormément de mal à se faire accepter comme écrivaine, alors que c'est vraiment une grande écrivaine. Si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à lire Putain et tous ses autres romans. Mais à partir du moment où la fée folle, les ventes ont commencé à chuter, puis après, on ne voulait plus l'entendre. Et à chaque fois qu'elle arrivait sur un plateau, c'était la putain, c'était pas l'écrivaine, c'était la putain. Et un jour, elle a fini par craquer et elle s'est pendue. Et ce qui est intéressant, c'est le processus de légitimation qui se met en marche une fois qu'elle est morte, en fait. Là, et même des gens qui à l'époque l'avaient descendue ou ne l'avaient pas aidée, en tout cas, qui tout à coup vont faire des articles universitaires sur Nelly Arcand formidable, alors qu'elle est morte de la stigmatisation. C'est quand même de ça dont elle est morte, donc. Réponse longue pour dire oui, effectivement, la question de la légitimation et de la légitimité, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, d'être très présent tout le temps et qui m'handicape aussi encore.
Cette question du doute ou de la légitimisation, elle se pose aussi évidemment dans la sexualité. Ce qui est intéressant, c'est que la France, elle a été championne du monde de foot, on peut le dire, mais d'après les sondages, elle se situe aussi dans cette catégorie pour tout ce qui touche à la sexualité, avec 2,5 rapports, vous soulignez toujours que ce fameux demi est très intéressant, par semaine, et avec cette réputation de French lovers, évidemment, brandie à toutes les sauces. Or, comme vous l'exprimez, c'est le secret le mieux gardé au monde. Les gens ne baissent pas tant que ça. Pourquoi ? Mais c'est clair. Mais moi, j'en suis persuadée, hein, franchement. Alors, c'est difficile de faire des stats. Moi, je fais vraiment de la sociologie au doigt mouillé, hein, là-dessus. Mais il y a 2 ans, on avait fait une série pour France Culture qui s'appelait Vivre sans sexualité. Et on avait fait 4 heures de doc. C'était super, avec Tancrède Ramonet. Et on a reçu des tonnes et des tonnes de messages de gens qui nous disent « Ah bah oui, merci, moi non plus, je baisse pas. » Et déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai sujet, qu'il y avait vraiment beaucoup de gens, finalement, qui baissaient pas. Et là, je vois depuis le livre, il est sorti que depuis 10 jours, je crois, un truc comme ça, c'est quand même assez fou. Mais j'ai reçu des centaines, peut-être même des milliers, j'en sais rien, de messages, y compris de gens que je connais, même de mon entourage proche, qui me disent « Mais tu sais quoi, moi aussi, moi ça fait 2 ans, moi ça fait 3 ans. » Et des gens qui sont en couple, hein, par ailleurs. Ben moi, ça fait 4 ans, et vraiment de tous les âges, de 20 et quelques à 50 et quelques, quoi. Et même plus, d'ailleurs. Et moi, je trouve ça intéressant, c'est que vraiment, j'ai l'impression qu'on est hyper nombreux, pas baiser ou pas baiser souvent, en tout cas. Et c'est tellement la honte, je pense que pour une femme, bon, pour un homme, je pense que c'est compliqué parce qu'il y a ce devoir d'être un don juan, de bander à tout prix, etc. Mais je pense que pour une femme, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la petite musique, c'est que ça nous fait perdre notre valeur sociale aussi de pas être baisé. Et quand on n'est pas baisé, on se dit pas. Enfin, moi, c'est souvent le genre de conversation que j'ai déjà eu plusieurs fois avec des copines qui me disaient, mais ah, moi, ça fait 3 mois qu'il m'a pas touchée. Et je me souviens un jour, une conversation, je me dis, mais ça te manque ? Ah non, mais quand même, ça fait 3 mois qu'il ne m'a pas touchée. Je dis, donc c'est quoi qui te manque, en fait ? Donc c'est ça, c'est cette histoire de revalorisation, de se dire, ah, je suis toujours cotée à l'Argus. Et ces réflexes-là, ils sont débiles, parce que même quand on est là et qu'on fait la mariole sur scène en disant, moi, ça fait 4 ans que je ne vais pas baiser et tout ça, il n'empêche qu'il y a toujours des vieux réflexes où je me dis, tiens, c'est marrant, dans la rue, on me drague plus. Alors qu'on a passé des années genre, à lutter contre le harcèlement de rue et machin et tout. Puis un jour, on se dit, on rentre dans un bar et on se dit, tiens, il n'y a plus aucun mec qui me regarde, c'est quoi cette histoire ? Donc on a encore des vieux réflexes, mais tout claqué au sol, quoi. C'est terrible. Vous parlez de cette série que vous avez imaginée avec Tancrède Ramonet, qui est un homme. Vous parlez surtout des femmes qui se confient à vous. Il y en aura sûrement de plus en plus avec la sortie du livre. Mais qu'en est-il des hommes dans la série que vous avez proposée ? Il y avait aussi des hommes qui osaient avouer cela. Est-ce que c'est ça l'ultime tabou, peut-être, les hommes qui ne baissent plus non plus ? Alors moi, je suis une grosse lâche, donc j'ai laissé Tancrède gérer toute la partie masculine. Il est allé voir des séminaristes, il est allé voir des prisonniers de longue durée et tout ça. Donc je lui ai dit, tu sais quoi, la partie masculine, tu vas la gérer toi-même. En plus, lui était vraiment dans des interrogations autour de c'est quoi la sexualité, parce qu'on était là, on disait, bon, ok, on a arrêté la sexualité, mais ça veut dire quoi, arrêter la sexualité ? Et on n'avait pas du tout la même perception. C'était intéressant, parce que pour moi, arrêter la sexualité, c'était arrêter... même prendre un bain avec quelqu'un, c'est de la sexualité, quoi, en fait. Et lui, sa définition de la sexualité, c'était est-ce qu'il y a pénétration ou pas ? C'est-à-dire, par exemple, faire un cunnilingus à quelqu'un, c'était pas de la sexualité. Je dis, mais tu rigoles ou quoi ? c'est quoi cette grosse tricherie, là, en fait ? Parce qu'on était censé arrêter à plus ou moins en même temps. Enfin bon, bref, on était censé tenir à peu près notre carême l'un comme l'autre, quoi. Et au bout d'un moment, je me rendais compte que comment ça, faire un cunnilingus, mais c'est quoi ces conneries ? Et si moi je fais une fellation, donc c'est pas de la sexualité. Enfin, je veux dire, ça n'avait aucun sens. Mais c'était hyper intéressant parce que ça nous a amené à discuter et à se poser la question de c'est quoi la sexualité ? Où est-ce que ça commence ? Où est-ce que ça commence, en fait ? C'est le fameux Bill Clinton aussi qui avait utilisé ça comme argument. Alors, est-ce que ce n'est pas paradoxal ? Est-ce que ce n'est pas paradoxal que dans une société où la sexualité, la jouissance est omniprésente, brandie à tout prix, les magazines féminins qui nous parlent d'orgasme en moins de 5 minutes, etc., qu'est-ce que ça révèle finalement de nous, une société comme celle-ci ? Qu'est-ce que ça révèle par rapport à la sexualité ? Pourquoi la sexualité nous dit quelque chose de cette société ?
La sexualité, ça raconte plein de choses. En fait, c'est là où se jouent de façon exacerbée toutes les inégalités qu'on constate dans le reste de la société au quotidien, en fait. C'est pour ça, par exemple, sur la question de la pornographie, moi, je dis souvent, c'est pas la pornographie, elle est sexiste que parce qu'elle est dans une société qui est sexiste, en fait. C'est parce que, en fait, c'est le lieu où est représenté de façon complètement exacerbée ce qui se joue dans les rapports hommes-femmes ailleurs, quoi, en fait. Donc, ça, évidemment, que ça raconte. Moi, c'est marrant parce que la sexualité se fait pas mal d'années que je travaille sur ces questions-là, même ou indirectement, ou sur les questions de corps, ou d'intimité, ou même d'accouchement, ou de choses comme ça. Mais en fait, je trouve que c'est toujours hyper révélateur de ce qui se passe. Ce qui se passe ailleurs. Enfin, on a l'impression. Enfin, et puis la sexualité, nos pratiques sexuelles, elles ne sont pas pareilles dans tous les pays, de la même façon, dans toutes les époques. Enfin, je veux dire, elles évoluent en fonction d'un certain contexte historique, social, et tout ça. Donc, ça raconte plein de choses de nous. Alors, après, qu'est-ce que ça dit de nous, là, par exemple, sur la société française? Bon, je ne sais pas, mais c'est plutôt sur la question des injonctions que je travaille. Sur qu'est-ce qu'on s'oblige. Parce qu'on n'est pas forcément, on ne nous met pas un flingue sur la tempe en nous disant ah, va t'épiler la chatte. Ça n'arrive jamais, ce genre de choses, en fait. C'est juste que nous, on y va, comme ça dans notre petite servitude volontaire, puis un jour on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire là et pourquoi est-ce que je fais ça et voilà, donc c'est plus la question moi, des injonctions qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait qu'on se soumet à un certain nombre de dictats sexuels, puis on y va en plus en disant oh, mais je le fais pour moi, ben non, tu t'épiles pas l'arrêt des fesses pour toi, en fait, au bout d'un moment il faut être cohérente deux secondes, en fait. Et moi ce genre de phrase, oh, mais moi je le fais pour moi, ben, je l'ai fait, je l'ai dit, et même ça m'arrive encore de dire non, mais je me maquille pour moi, mais non, évidemment je me maquille pas pour moi, quand je suis en Charente avec mes chiens, je vais pas me maquiller, en fait, ça n'existe pas. Donc non, évidemment qu'on le fait pas pour soi, on le fait parce que c'est parce que voilà, on est obsédé par ce qu'on donne à voir, et c'est voilà. Vous parliez justement du fait que vos documentaires ont exploré le domaine de la prostitution, de la pornographie, du viol, de l'accouchement. Et ce qu'on voit, c'est que le fil rouge, c'est clairement le corps, et particulièrement le corps des femmes. Pourquoi est-ce que le corps et le plaisir féminin sont tellement problématiques dans toutes les sociétés depuis l'histoire de l'humanité? Pouah. Ouh là là. Mais là, c'est quoi que je réponde, je vais forcément dire un truc nul. Oh là là, c'est trop compliqué, je crois. Je sais pas trop quoi répondre à ça. C'est tellement ancré dans notre culture depuis des siècles et des siècles. Voilà, alors là, je suis en mode café du comptoir, café du commerce, quoi. Genre, oui, je pense que ça remonte au néolithique, à la sédentarisation et tout ça. Non, mais là, je sais pas quoi répondre, quoi. Je sais pas quoi répondre. Et c'est un truc assez universel, quand même, cette histoire, avec plein de formes différentes. Mais c'est quand même un truc assez universel, ouais. Alors, pourquoi est-ce que vous choisissez de travailler particulièrement sur ces thèmes-là? Ah, bah parce que au moment où j'avais commencé à travailler sur ces thèmes-là, en fait, il n'y avait pas tant de monde que ça qui travaillait là-dessus. Moi, j'ai pas de légitimité, ça revient. J'ai pas de légitimité pour travailler, par exemple, sur les questions d'égalité salariale. Ou, enfin, je veux dire, c'est pas mon domaine. Donc, c'est vrai que c'est plutôt la question du corps, moi, effectivement, qui m'a intéressée. Et puis maintenant, on le sait. Enfin, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, quand on dit que l'intime est politique, je veux dire, ça y est, maintenant c'est rentré dans notre cerveau, mais il y a encore 5 ans, c'était pas si évident que ça comme réflexion. Mais là, maintenant, on le sait qu'il faut se poser la question de ce qui se passe dans le foyer, dans la chambre à coucher, et qu'on soit pas, et que les femmes ne soient, alors je dis les femmes hétéros, etc., enfin, il faut pas que ce soit uniquement les femmes aujourd'hui qui se posent des questions. Je pense que nous, on a fait toutes les gymnastiques possibles, on a déconstruit dans tous les sens, on s'est posé toutes les questions de la politisation de l'intime. Maintenant, je pense qu'il faut qu'il y ait faut qu'on passe le relais, en fait. Il faut que, voilà, je pense que c'est aux hommes de se bouger, et je pense que tout le monde a y gagné dans cette histoire, en fait. Tout le monde a intérêt à se bouger, en fait, parce que, enfin, je sais pas, moi je suis dans ma grève tranquillement, ça me protège et tout ça, mais c'est pas un projet de société, la grève du sexe, en fait. La grève, c'est censé être à un moment, on se dit bon ben j'arrête jusqu'à ce que ça change. Bon, ça, le fait est que la société va pas changer du jour au lendemain,
Et je pense pas, je disais, je rêve une société d'égalité, mais je crois pas que je vive de mon vivant, que je vois de mon vivant une société communiste libertaire. Donc, en fait, au bout d'un moment, effectivement, c'est pas un projet de société, mais c'est se dire, bon, maintenant, on passe le relais. OK, maintenant, c'est à vous, parce que sinon, si on fait toute ceinture, ça va pas être rigolo pour vous, quoi. Donc, on y va ensemble. Et puis si vous pouvez vous libérer d'un certain nombre aussi d'injonctions autour de la masculinité et tout, enfin. Et puis même, enfin, je sais pas, enfin, ouais, non, maintenant il faut passer le relais. C'est aussi quelque chose que vous transmettiez à travers Libre. Libre, c'est cette bande dessinée imaginée avec Digli. Elle donne aussi lieu à une série sur Arte que vous pouvez toujours voir aujourd'hui, qui en est à sa deuxième saison d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez déconstruire par rapport à cela, par rapport à tous ces préjugés que vous rappelez également dans ce livre-là ? Encore une fois, c'est tous les diktats autour de l'intime, autour du corps. Pas forcément toujours directement autour de la sexualité, mais c'est vrai que c'est des thématiques. En fait, chaque épisode a une thématique. Il y a le rapport au poids, le rapport à l'âge, le rapport. Dans la deuxième saison, on parle aussi de cyberharcèlement, de viol conjugal. Alors ça, c'est compliqué. Hein. On s'est dit avec Sophie Marie, Larouy, qui est ma co-autrice pour la série. Quand on a commencé à bosser sur la deuxième saison, qu'on a vu viol conjugal, cyberharcèlement, que j'ai commencé à lui dire ouais, faut qu'on parle de ça, elle m'a regardé comme ça, un peu paniquée, en me disant mais comment on va faire rire les gens avec ça, quoi. Parce que c'est ça le problème de Libre aussi, c'est que c'est censé être un petit peu rigolo, quoi. Par moment, on s'est dit mais comment on va s'en sortir, en fait. Et puis bon, au final, moi je trouve ça gaulerie, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est. Enfin voilà, on a repris toutes les thématiques qui touchaient encore une fois au corps, parce que voilà, je ne crois pas avoir de grande légitimité ailleurs en dehors du corps. C'est marrant hein, d'ailleurs, ça, au moment où je l'ai dit, je me suis dit, j'avais envie de me gifler en fait. Peut-être que vous dites ça aussi parce que comme vous le disiez, vous avez été marqué au fer rouge. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas votre parcours, vous avez travaillé brièvement dans le porno, que ce soit comme actrice, mais surtout derrière l'écran, en proposant après des films où justement vous mettiez plutôt en lumière le désir féminin, les fantasmes féminins. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous aviez cette position-là, ou aujourd'hui, à travers ce livre, où vous dites « Je fais la grève du sexe depuis 4 ans », finalement, vous dérangez toujours et vous montrez toujours que, comme vous le dites, on ne peut pas faire des choix corporels et sexuels qu'on veut quand on est une femme. Pourquoi ? Parce qu'il faut rentrer dans certaines cases. Mais moi, c'est marrant, je vois les réactions viscérales de certains hommes depuis que, encore une fois, en 10 jours, c'est seulement 10 jours qu'il est sorti le livre. Et il y a certains hommes qui vraiment ne supportent pas l'idée qu'on se refuse à eux, en fait. Juste, mais même pas, c'est même pas qu'ils espéraient nous baiser, en fait. C'est juste que ce truc symbolique d'afficher une non-disponibilité, de dire je ne veux pas, ça les fait vriller. C'est ce qui explique en partie, par exemple, la haine qu'ils peuvent avoir contre les lesbiennes. Ou voilà. C'est juste afficher une non-disponibilité. Tout de suite, ça va être des trucs du genre peut-être qu'un coup de bite, ça le remettra dans le droit chemin. Il y a toujours cette menace un peu qui est dans l'air du viol correctif, de tout ça, quoi. Et je pense que c'est compliqué juste de dire en fait, je fais ce que je veux, quoi. Tout, juste ça, c'est très compliqué. Et que je pense que en fait, on a droit de faire ce qu'on veut. On a droit de même plus être en capacité de compter le nombre d'amants qu'on a eu dans notre vie. Et on a aussi le droit de dire mais moi, je ne veux pas ou je ne veux plus. On a le droit, par exemple, d'être asexuel. On a le droit d'être hyposexuel. On a le droit d'être en grève. On a le droit de dire ouais, non, je quitte l'hétérosexualité aussi et je me tourne vers le lesbianisme politique. Enfin, on a le droit de faire tout ça, quoi. Mais c'est vrai que ça. Ça provoque des réactions, ça secoue un peu. Mais dans tous les cas, hein, c'est-à-dire, de toute façon, on est toujours sur cette espèce de corde raide où on est trop salope ou pas assez salope. C'est vraiment compliqué, quoi. Vraiment compliqué. Vous le disiez dans l'extrait que vous avez lu, c'est très présent aussi, c'est qu'on continue à vivre dans un monde où ce sont les hommes qui fixent les règles de la beauté, les règles de ce que devrait être le corps féminin. Mais de quoi est-ce que nous sommes prisonnières ? Pourquoi est-ce que nous essayons tous de devenir, comme vous le dites, la schtroumpfette du village qui va surtout rester toujours baisable et désirable ? Mais c'est ça, mais je pense qu'on nous éduque à être la schtroumpfette suprême, quoi.
Et y a vraiment, et je pense que c'est à cause de ça qu'il y a une telle compétition intrasexuelle, où on se compare, où, et on va avoir, même quand on est féministe, machin, on peut avoir des réactions qui sont un peu bizarres. Par exemple, de tout à coup regarder un compte Instagram d'une autre nana qui est taillée de dingue et tout ça, et à être un peu dérangée, genre, quand même, avoir ce pincement. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, en fait ? Elle est belle, et tant mieux pour elle, en fait. Et ça, on ne nous éduque pas à ça. Dire, elle est brillante, elle réussit, elle a réussi tel truc, elle a réussi tel film, elle est belle, elle est je sais pas quoi. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, ou je sais pas, elle a publié tel truc, peu importe, ou elle réussit tel truc, pourquoi est-ce qu'on ne se réjouit pas pour elle de son succès, quoi. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y a quelques années, donc commencer cette grève m'a libérée totalement de ce sentiment. Enfin, moi, ça fait 1000 ans que je ne me suis pas dit ce truc de jalousie, quoi. Et donc, je me dis, c'est bien là que ça se construit, cette compétition où on nous fait croire qu'il faut qu'on se compare sans arrêt les unes aux autres et machin. Enfin, c'est hyper délétère, quoi, comme fonctionnement, quoi. Et c'est bien ça l'idée, c'est l'idée d'être la schtroumpfette, donc d'être celle qui est au centre du désir des hommes du village, quoi. C'est ça. Je fais une parenthèse sur la schtroumpfette parce que je suis belge, alors je maîtrise bien le sujet. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la base, la schtroumpfette a été imaginée par Gargamel, le méchant, pour venir semer d'être une fouteuse de troubles, justement aussi chez ces braves schtroumpfs mâles. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le premier épisode, elle n'est pas jolie du tout à la base. En fait, elle est brune, elle a les cheveux un peu comme ça. Elle n'est pas très... Hein. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas vraiment accès au langage. Elle ne parle pas le langage des schtroumpfs, donc elle est un peu débile, on peut le dire. Et du coup, elle arrive dans ce village, elle va un peu perturber la chose. Le grand schtroumpf va décider de l'adopter, à condition de... Il va la prendre, il va la tremper dans une potion magique. Et tout d'un coup, elle va ressortir blonde, svelte, etc. Et c'est un message qu'on envoie aux petites filles dès l'âge de 4 ans. Et si je me rappelle bien l'histoire de la schtroumpfette, il y a aussi ce moment où il lui fait croire, elle se retrouve devant un miroir grossissant où elle croit qu'elle est plus grosse qu'elle ne l'est, et c'est ça qui la fait complètement vriller. C'est ce moment où elle croit qu'elle est plus grosse qu'elle ne... Mais non, mais c'est dingue, la schtroumpfette. Quand on relit ça aujourd'hui, c'est complètement fou, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez intitulé ce livre « La chair est triste, hélas ». Pourquoi ce « hélas » ? La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres, etc., etc., quoi. Je sais pas, parce que je trouve ça un beau poème de Mallarmé, et voilà, je trouvais que ça résumait bien. Et je crois que c'est une des premières choses qu'on a échangé au téléphone, justement, avec Vanessa. La première fois qu'on s'est parlé, on a parlé pendant au moins 2 heures au téléphone, on se voyait à ce moment-là, elle m'a parlé de sa collection, de son envie de... Et moi, je lui ai dit, je crois que j'ai dû lui dire à un moment, mais vous savez, moi, Vanessa, malheureusement, je suis incapable de dire quoi que ce soit de positif en matière de sexualité, parce que la chair est triste, hélas, pour moi, en ce moment. Et je pense que voilà, c'est un truc qui a dû rester. Et puis, à un moment, je l'avais réécrit dans le texte aussi. Puis, on s'est dit, ah, mais finalement, ce serait peut-être ça le bon titre. Parce que le premier titre, c'était « Un jour, je n'ai plus pu », qui est le début du livre. Et puis, non, en fait, « La chair est triste, hélas », c'est chouette. Alors, on m'accuse. Enfin, j'ai lu des trucs genre « Pauvre Mallarmé », je vous jure. Alors, cette question que vous posez à travers ce livre et qu'on peut se poser aussi, c'est comment vous en êtes arrivé là, à ce jour où vous n'avez plus pu, à 38 ans, et qui dure depuis 4 ans. Franchement, ça a été progressif. Je pense que c'est le fait de travailler justement tout le temps sur ces questions d'injonction qui fait qu'au bout d'un moment, quand on est bombardé d'injonctions, on se dit, mais enfin, c'est le meilleur moyen d'être dégoûté, en fait, de se dire, quand on prend vraiment conscience de tout ce qu'on se sent obligé de faire, on a juste pu, un jour, on a même juste plus le courage, en fait. Moi, je crois que c'est un truc comme ça, c'est de me dire, mais oh, c'est tellement de contraintes. S'il faut faire tout ça, s'il faut faire tout ça, franchement, mais pour 7 minutes 30. C'est pas moi qui te dis, c'est statistique.
Non, mais voilà. Non, et même, et quand bien même, ce serait 7 minutes 30 ou même une demi-heure agréable et tout, sympa et tout, ça demande tellement de travail. Et moi, je ne suis pas payée pour, quoi, en fait. Donc, je me suis dit, au bout d'un moment, mais j'ai autre chose à faire. Je ne sais pas, j'ai déjà... Enfin, ouais, non, j'ai autre chose à faire. Et en fait, je le dis, mais je le dis sans blague, j'ai jamais autant fait de trucs que ces 4 dernières années. Mais vraiment, mais c'est dingue. Tout ce que j'ai fait en 4 ans, mais vraiment, mais c'est entre libre, entre des gens bien ordinaires, entre plusieurs livres aussi, entre la thèse que j'ai soutenue il y a 4 ans, machin et tout. Mais j'étais là, mais j'ai jamais été aussi productive de ma life. Et souvent, on me dit, mais comment tu fais? Mais je baisse pas. Voilà. Ce qui vous a amené aussi vers ça, c'est l'hétérosexualité dont vous parlez. Vous l'avez souligné à plusieurs reprises à travers votre lecture. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'hétérosexualité? Ouh là là, bah, l'hétérosexualité, c'est plus que justement les 7 minutes 30. L'hétérosexualité, c'est tout un système. C'est Juliette Drouard qui dit que c'est un régime politique. Et moi, je suis d'accord avec Juliette là-dessus. C'est que c'est la quasi-totalité de nos interactions sociales sont basées là-dessus, même quand on n'est pas hétéro, en fait. C'est ça qui est fou. J'en parlais aussi une fois avec Wendy Delorme, qui est très belle. Et je ne sais pas si vous voyez, mais elle est très belle. C'est une très belle autrice. Mais elle est vraiment très belle. Et Wendy, je le dis parce que ses textes parlent de ça et tout. Donc, ouais, Wendy est lesbienne. Et un jour, on en discutait. Je lui disais, mais finalement, toi aussi, tu te plies à un certain nombre de dictates, d'injonctions, parce que par ton apparence, tu as une apparence qui est très, finalement, très, j'allais dire très féminine, mais c'est nul de dire ça, très, très attendue, quoi. Enfin, je veux dire, de ce qu'on attend d'une femme et tout ça. Et elle me disait, mais c'est pas parce que je suis lesbienne que je peux passer entre les mailles du filet d'hétérosexualité et que je ne vais pas subir toutes ces injonctions-là et que je ne vais pas, moi aussi, parfois, par moment, me plier à ça, quoi. Et donc c'est, je ne sais plus ce que c'était ta question, mais je suis en train sur l'hétérosexualité. Sur l'hétérosexualité, oui. Bon, c'est un régime politique. Voilà. Alors, ce régime politique que vous analysez jusqu'au fond du lit, évidemment, sinon ce ne serait pas le sujet, on se demande finalement si les hommes ne pensent qu'à eux et qu'à leur pénis, comme vous le rappelez, ou si vraiment ils méconnaissent à ce point-là le corps et le plaisir féminin. Je pense que c'est une question d'éducation. C'est Virginie Despentes qui dit les hommes sont éduqués à baiser tout seuls, mais il y a un petit peu de ça, en fait. Et c'est dans le sens où je pense même qu'il y en a plein qui ont envie de bien faire, en fait. Mais c'est juste que c'est une histoire d'éducation. Et déjà, il y a eu un premier chamboulement, on va dire, au moment de MeToo, il y a 5 ans, où il y a pas mal d'hommes qui se sont pris... Alors qu'on avait l'impression de leur répéter ça depuis des années, en fait. On se dit, mais bordel, c'est seulement maintenant que tu l'entends. Mais il y a eu pas mal d'hommes, déjà, qui ont eu une première prise de conscience à ce moment-là. Enfin, ou un premier... Voilà. Frémissement. Voilà, frémissement. Et mais non, je pense que voilà, je pense que c'est une histoire. Quand on s'est construit toute sa vie avec ces schémas-là, je pense que c'est compliqué de tout déconstruire maintenant. Je vois déjà pour nous, alors qu'on est de l'autre côté de la barrière, je pense que déjà pour nous, c'est compliqué de tout déconstruire. Et on ne peut pas tout déconstruire, c'est pas possible. Mais quand en plus on est censé être du côté qui, en théorie, en tire plutôt des privilèges, on va dire, ben je pense que c'est vachement compliqué. Et il y a des trucs qui, forcément, à mon avis, remontent, reviennent. Enfin, je sais pas, moi, non, je pense que c'est une question. C'est une question d'écoute aussi, à mon avis. C'est marrant parce que le livre, là, depuis qu'il est sorti, moi, je reçois plein de messages de meufs qui me disent « Ah, c'est un crash test, je vais le faire lire à mon mec et tout ça. » Ou alors, il y en a plein qui disent « Ah, je lui en lis des parties pour qu'on puisse discuter. » À mon avis, il y a pas mal de discussions dans les chaumières, là, en ce moment. Là, je pense qu'il y a de la remise en question. J'espère qu'il n'y aura pas trop de séparation. Mais en tout cas, c'est sûr que ça discute. Et je me dis, mais tant mieux, parce qu'en fait, qu'on fait ce qu'on se disait tout à l'heure sur l'espace de parole et l'espace de discussion qui parfois nous est confisqué. C'est que bah, tant mieux si pour une fois, ça libère, ça ouvre un espace de parole comme ça, quoi. Bah ouais, moi, je veux bien que ça gronde un peu là, dans les foyers. Tant mieux, c'est sain, quoi.
Ce qu'on le voit aussi, c'est que les livres véhiculent cela. Votre éditrice Vanessa Springora a fait ce livre qui s'appelle Le consentement, que sûrement la plupart d'entre vous ont lu. Pourquoi est-ce que c'est une notion clé, ce consentement-là? Et pourquoi est-ce que MeToo, dont vous parliez, d'un côté libère la parole, mais d'un autre côté entraîne aussi un espèce de champ de ruine entre hommes et femmes aujourd'hui? C'est fondamental, le consentement. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avant, on n'en parlait juste pas. Quand on était féministe, si, mais ce que je veux dire, dans la société, c'était presque absent de notre sphère de pensée. C'était pas, on n'a jamais autant parlé de consentement que depuis ces 5 dernières années, et tant mieux. Et j'ai l'impression que justement, ça rentre dans la tête de ceux qui sont rentrés dans la sexualité juste après MeToo. Je pense à ceux de la Gen Z, qui devaient avoir 12 ans au moment de MeToo, et qui donc ont grandi avec en tête les notions de consentement. Moi, j'aurais bien aimé être ado à une époque où on parlait de consentement, mais ça n'a pas été le cas. Moi, on ne m'a pas parlé de consentement quand j'étais ado. Il y a peut-être des trucs que j'aurais peut-être pu éviter ou ne pas subir des choses pareilles, en fait, si j'avais su. Mais donc, tant mieux, évidemment, tant mieux. Mais c'est vrai qu'on est dans cette phase un peu de champ de ruine où on a déconstruit beaucoup, tant mieux. Mais on reconstruit quoi, en fait? C'est ça qui est compliqué. Et là, pour le coup, moi, j'en sais rien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis, d'un côté, vous voyez bien que c'est impossible. Voilà, il y a une partie de moi qui revient en disant, de toute façon, laissez tomber. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on reconstruit maintenant? Tout au long du livre, on voit d'ailleurs ce tiraillement. D'ailleurs, il y a une autre phrase que vous avez soulignée, c'est « Je suis féministe parce que je suis mal baisée ». Ouais. Mal baisée est souvent utilisée comme une insulte à l'encontre des femmes. Là, vous retournez justement ce mot-là à la figure. Et ça signifie quoi alors dès lors d'être féministe à ce moment-là, à ce moment même de votre vie? À ce moment de ma vie où je ne suis plus mal baisée? Je sais pas quoi répondre. Le coup de « je suis féministe parce que je suis mal baisée », ça a été écrit vraiment sous le coup du ras-le-bol, de la colère et tout ça. Et je pense vraiment que si pour de vrai, si toutes les mal baisées de la planète s'unissaient, je pense vraiment qu'on ferait tout imploser, quoi. Je pense qu'on serait vraiment le mouvement politique le plus puissant au monde. Mais je pense qu'on pourrait créer notre micro-État, avoir notre hymne national et tout. Là, maintenant, être féministe, ça veut dire plein de choses. Mais déjà, ça veut dire aussi défendre toutes les femmes. Ça, c'est un truc qui est super, super important, y compris celles avec qui on n'est pas d'accord, en vrai, aussi. Parce que moi, je conçois qu'on puisse ne pas être d'accord avec moi, en fait. Mais c'est pour ça que même parfois, je vois passer des trucs, je me dis, non, je ne vais pas tweeter, je ne vais pas machin. C'est ce que disait Alice Coffin quand elle disait, je ne sais plus si elle disait ça exactement comme ça, quand elle disait qu'elle faisait attention à ne pas dire du mal des autres femmes, etc., etc., et tout ça. Mais en fait, c'est ça, quoi. Je pense que c'est déjà essayer de faire partie d'un mouvement où, malgré nos différences et nos désaccords politiques aussi, on arriverait à ne pas se taper dessus, quoi. Déjà, rien que ça. Voilà, rien que ça, ce serait une bonne base. Après, entre nous, on règle nos comptes, voilà, sur tous les sujets clivants qu'on connaît. Mais déjà, rien que ça, essayer d'être à peu près unis, déjà, ce serait... Mais on se rend pas compte de la force qu'on a, en fait, potentiellement, en fait. C'est immense, le pouvoir qu'on pourrait avoir. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites que depuis que vous faites cette grève du sexe, depuis que vous n'êtes plus dans ces rapports de séduction, vos relations ont changé avec les hommes, évidemment, mais aussi avec les femmes, parce que cette sororité que vous prenez, elle n'est pas innée. Non, elle n'est pas innée, puisqu'on nous éduque à justement à cette histoire de trompette suprême, on nous éduque à être constamment en compétition les unes contre les autres. Donc évidemment que les interactions changent à partir du moment où tous les enjeux de sexualité ont disparu. Mais vraiment! Mais vraiment, vraiment. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais la sexualité, c'est à la base d'énormément de nos interactions sociales. Encore une fois, ce n'est pas une question de qui a des rapports, qui n'en a pas. C'est une interaction lors d'un rendez-vous professionnel. Enfin, je veux dire, on le sait. On sait qu'une femme qui fait du 36 a plus de chances, je ne sais plus combien, qu'est-ce que c'est le pourcentage, a plus de chances d'être embauchée qu'une femme qui fait du 44. Et pourquoi ?
Parce qu'il doit y avoir dans la tête de la personne qui recrute cette espèce de projection de baisabilité non consommée, hein, en fait. Hein, c'est pas, il n'y aura pas de rapport, mais de ce truc de séduction, on se laisse un peu porter ou machin et tout ça. Enfin, on imagine peut-être un rapport sexuel potentiel. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe, en fait. Mais évidemment que c'est présent dans nos interactions sociales. Et le jour où on se sort de la sexualité, tout nous paraît complètement absurde. Les publicités sur les abribus, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Mais pourquoi? Et en fait, des trucs qu'on voit jamais, enfin, qu'on voit jamais, qu'on voit tout le temps, mais qu'on voit sans voir, en fait. C'est-à-dire qu'on croise des images qu'on croise et où on ne se posait pas de questions, puis tout à coup, on regarde l'arrêt de bus et on se dit, mais n'importe quoi. Et ou parfois, même des séries. Moi, il y a de plus en plus de productions culturelles, je me rends compte, qui ne s'adressent plus à moi, en fait. Parce qu'il y a énormément de films, de séries qui sont basés sur des intrigues érotico-amoureuses. En fait. Et donc, quand on se sort de ça et qu'on n'en a plus rien à faire de toutes ces histoires-là, on se dit, cette intrigue-là, elle est toute pourrie, en fait, ça ne m'intéresse pas. Donc, il y a plein de productions culturelles, même de chansons, de plein de trucs, où on se dit, mais non, en fait, ça ne s'adresse plus à moi. Et je reprends, j'ai cité deux fois Wendy ce soir, c'est parti, mais Wendy Delorme aussi me le disait, elle disait, il y a cette sensation aussi quand on est lesbienne qu'une grosse partie de la production culturelle ne nous concerne pas. Ben, moi, je ressens un peu la même chose, il y a toute une partie de la production culturelle qui ne me concerne pas. Alors, le rapport aux autres change, mais est-ce que le rapport à soi-même change également? Oui, il y a vachement plus d'indulgence. Moi, déjà, je me fais plus mal pour rien. Mais jamais, plus jamais, je ferai du cardio à jeun. Plus jamais. Après, il faut faire gaffe à plus jamais. Hein. Parce que si ça se trouve, peut-être que dans 10 ans, ivre de douleur, de vieillir, j'irai me faire un lifting ou je ne sais pas quoi. Enfin, je veux dire, cette souffrance-là, elle est quand même là. Elle ne va pas disparaître d'un coup. Mais globalement, je me trouve plus sympa avec moi-même. Et je me fais plus mal. Il n'y a plus rien. Si quelque chose peut me faire mal physiquement, je me dis jamais. Non, plus. Je veux plus. Ce rapport à la douleur, il est aussi intéressant parce que les femmes, elles ont un rapport particulier à cela. Pourquoi avoir mal, c'est normal pour les femmes, comme vous l'écrivez. À eux, le Viagra. À nous, le tube de gel, les infections et les risques. Parce qu'effectivement, on part du principe qu'avoir mal, c'est normal. On le voit même sur d'autres sujets, comme l'endométriose ou même parfois dans tous les témoignages qu'il y a pu y avoir autour des violences obstétricales, aussi cette idée que tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire des épisiotomies recousues à vif, parfois même des césariennes à vif. On part du principe qu'une femme, elle peut tout encaisser. Ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, c'est qu'on ne va pas attendre la même chose. Bon, on va attendre d'un homme qui soit viril et qui ne pleure pas et tout. Mais on ne va pas partir. On voit bien dans les actes médicaux qu'on va beaucoup plus prendre en considération la douleur. C'est-à-dire, je ne sais pas, si un mec arrive aux urgences avec le coude ouvert, on va lui mettre un petit peu d'anesthésiant au minimum pour le recoudre. Bon, pourquoi est-ce qu'on met pas d'anesthésiant à une femme qu'on recoue avec qui a une épisio comme ça jusqu'aux fesses, en fait? Enfin, ce que je veux dire, c'est on n'a pas effectivement, on part du principe que c'est normal pour une femme d'avoir mal. Et quand une jeune fille va chez le gynéco en disant alors ça change, évidemment ça change, et not all gynéco, mais effectivement, si une jeune fille dit non, j'ai mal, on va lui dire on va lui filer de ce passon et lui dire mais c'est normal d'avoir mal, et puis voilà. C'est quelque chose qui vous révolte? Moi, il faut vraiment y aller pour me révolter, parce que j'ai autant de variations émotionnelles qu'un répliquant. Mais, mais ça m'agace, oui, effectivement. Ça me contrarie au plus haut point. C'est quelque chose qui paraît normal, en effet. Il y a autre chose qui paraît normal, c'est que les gens qui pourraient ne pas avoir lu votre livre pourraient se dire, voilà, elle s'est retirée de la sexualité, donc elle n'en a plus du tout. Or, vous le rappelez, votre désir n'est pas mort, il est toujours là. Comment vous le vivez? C'est pas évident, hein, parce qu'en plus, parfois, mais c'est pas souvent, mais parfois, il va y avoir une remontée où je veux dire, ça va être une attention qui va être focalisée 2,5 secondes sur un avant-bras ou une voix ou une main. Ou ça, je veux dire, non. Non. Prends une grande respiration, regarde ailleurs, fais autre chose. Donc, non, évidemment que le désir est pas mort. Je suis pas dans une abstinence non plus. J'ai rien juré devant Dieu. Je suis pas au régime, j'ai pas fumé ma dernière clope en disant ça y est, demain j'arrête. Non, il y a un...
Ce qui est compliqué, c'est ça. Après, il y a toujours la question de... En fait, je ne veux plus... Je me suis sortie de l'hétérosexualité, mais pas du reste. Justement, vous parliez de déconstruction. C'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans toute votre œuvre, dans vos documentaires, vos films, vos podcasts, vos livres, comme celui-ci à nouveau. Vous vous posiez la question de qu'est-ce qu'il faut reconstruire dès lors ? Est-ce que c'est notre imaginaire, quand je dis notre, celui des hommes, des femmes, des hétérosexuels, des homosexuels, qu'il faudrait reconstruire aujourd'hui ? Ouais, ça c'est vachement compliqué. Reconstruire son imaginaire érotique, aïe aïe aïe, c'est vraiment compliqué, hein. C'est pas évident. Parce que mine de rien, il y a des schémas qui fonctionnent. Avec lesquels on a pu construire notre imaginaire érotique, parfois même des trucs pas jolis, et qui fonctionnent. Par exemple, je pense que la plupart des femmes, quand elles se masturbent, en fait, elles pensent un peu tout le temps... Elles ont leur rituel masturbatoire, on va dire, et je pense que voilà, il y a une façon de penser toujours un peu la même chose. Puis un jour, on se dit, mais pourquoi je pense à ça ? En fait, il n'y a rien qui va dans cette histoire. Et il y a un jour où on se dit, tiens, je vais essayer de reprogrammer mon imaginaire érotique, de le sortir de ça, et puis là, il n'y a plus rien. Et ouais, moi, au début, ça a été compliqué. Hein. Les deux premières années de sortie de la sexualité, je me suis dit, je vais rien faire, en fait. Parce que je vois même pas à quoi penser, ni comment faire. Alors, je vais rien faire. Et il y a eu un moment avant que ça se reconstruise petit à petit. Reconstruire. Parce que nos imaginaires érotiques, on a toujours l'impression que oui, la sexualité, c'est un jardin secret, je sais pas quoi. Mais en fait, non, pas du tout. Nos fantasmes, ils se construisent en fonction de la société dans laquelle on évolue, quoi. Évidemment qu'ils n'arrivent pas de nulle part, ces fantasmes-là. Donc, c'est compliqué de... Alors après, moi, je ne suis pas pour imposer à tout le monde de se reprogrammer. Enfin, je veux dire, je ne vais pas vous envoyer en camp de rééducation. Je veux dire, ce n'est pas ça le projet de société que j'ai en tête. Donc, mais moi, quand je fais cet exercice-là, de me dire, je vais essayer de repenser un peu tout cet imaginaire érotique, je me suis rendu compte que c'était compliqué. Voilà. Est-ce qu'il faudrait aussi repenser une autre notion qui vous paraît importante ? C'est celle d'empathie que vous retrouvez, par exemple, plus chez les femmes en ayant des rapports avec les femmes. En tout cas, je me sens moins en danger. C'est dur de dire ça. Hein. Je suis désolée pour les hommes dans la salle, mais je me sens moins en danger avec elles, moins en insécurité. Ouais, j'ai l'impression, en tout cas, par exemple, que les limites de mon consentement sont beaucoup plus... cadré, défini, limité. Alors évidemment, c'est pas comme ça dans toutes les relations, et je sais qu'il y a des relations entre meufs qui sont toxiques, etc., etc. Je prends toutes les précautions possibles, mais globalement, dans mon expérience à moi, je suis moins en insécurité, quoi. On le voit aussi, c'est que vous espérez, même si le mot impossible a été prononcé, l'égalité au lit. Est-ce que vous avez néanmoins l'espoir qu'on pourrait y arriver ? Et en quoi est-ce que l'éducation est vraiment essentiel pour cela? Mais en vrai, j'aimerais bien. C'est marrant parce qu'on en parlait avec justement Manon Garcia et je disais, mais Manon, pourquoi est-ce qu'on continue à y retourner tout le temps si on sait que c'est si pourri, l'amour et tout ça? Et elle disait, mais parce que c'est génial en même temps. Elle avait passé une heure d'interview à expliquer à quel point l'amour, c'était pourri. Vraiment, je simplifie beaucoup le discours de Manon Garcia qui est beaucoup plus structuré que ça. Et à la fin, elle me disait, mais c'est parce que c'est génial en fin de compte. Et ouais, il y a un truc un peu comme ça qui reste d'espoir, de se dire, franchement, ce serait tellement bien. Alors moi, j'ai zéro espoir pour moi et pour ma génération. Mais je suis désolée pour celles qui ont le même âge que moi. Mais en revanche, moi, j'y crois beaucoup plus pour la génération de ma fille, bien sûr. En même temps, ce qui est intéressant aussi avec cette génération-là, et vous l'avez rappelé dans un livre aussi où vous expliquez le porno aux parents, c'est une génération qui a accès de plus en plus tôt au porno, ce porno qui véhicule aussi certains clichés dans cet imaginaire-là. Est-ce que cette éducation-là doit commencer très tôt pour les filles et les garçons ? Après, ça dépend de ce qu'on appelle éducation et qui l'a fait, en fait. Qui sont les intervenants ? Est-ce que c'est le prof de bio, enfin de SVT en fin d'année ? Est-ce que c'est vraiment des intervenants aussi, parce qu'il y a des super intervenants et intervenants d'associations vraiment. Donc, qui fait ces interventions-là ? Et puis, c'est pas parce qu'il y a deux heures en fin d'année, en quatrième, que ça va changer quoi que ce soit. En fait, moi, je crois beaucoup. Franchement, moi, j'ai super confiance en la Gen Z. Mais moi, c'est une génération que j'adore, perso. Vraiment, je les trouve super. Je les trouve hyper conscientisés sur toutes les questions de, je sais pas, de climat, d'homophobie, de sexisme. Les minettes, elles ont pas le time. Vraiment, elles se laissent pas embêter. Alors oui, il y a cette histoire de grosse consommation de pornographie, mais bizarrement, la consommation
C'est plutôt la génération Y, c'est celle qui était juste avant, en fait, celle qui est juste après la mienne et qui est juste avant, justement, celle de ma fille. Et cette génération-là a vraiment été biberonnée au porn sans avoir, justement, ce prisme de MeToo, qui n'est pas le cas de la Gen Z. Et donc, il y a appris un peu, il y a eu une espèce de culture porn un peu rigolote, c'est la grande époque de la bifle, ah ah ah, c'est rigolo la bifle et tout ça. Et aujourd'hui, ça nous ferait vachement moins marrer, hein, mais il y a un moment, ah ah, c'est rigolo, je me souviens, il y avait un sondage comme ça qui était sorti, 36% des Parisiens pratiquent la bifle et tout. Donc après, moi, j'étais dans le métro, je regardais, donc il y a une personne sur trois, toi, pas toi. Et... Mais moi, je crois vachement plus à la génération qui arrive là, ceux qui ont 17, 18 ans là, c'est eux qui vont tout changer en fait. C'est eux qui vont. Et puis vivement qu'on leur laisse la place et qu'on brûle tous, quoi. Enfin, franchement, c'est eux qui vont tout changer là. Vraiment. C'est peut-être eux qui seront les fouteurs de troubles de demain, puisque cette collection vise à mettre en lumière la sexualité, la révolte, l'intime et l'émancipation. Est-ce qu'on peut dire néanmoins que depuis toujours, vous êtes une révoltée, une rebelle, mais aussi une femme engagée ? Je ne sais pas si... Oui, bah, après j'ai été militante super tôt aussi, dès l'âge de 14 ans... Donc oui, je trouve ça super là, ceux qui vont justement en manif, les minots qui vont dans, ça me rappelle l'hiver 95 quoi. Moi j'étais à fond l'hiver 95, ça a été compliqué de retourner en cours après ça, hein, parce que après avoir passé des mois, enfin des semaines comme ça sans aller en cours et être en manif, quand on y retourne après c'est compliqué. Mais je suis plus loin que je puisse me rappeler effectivement. Oui, est-ce que c'est une forme de révolte ? Oui, un truc comme ça. Alors toujours, cette révolte, je suis révoltée, attention, je suis en colère, je suis contrariée. Mais certainement. Ça vient d'où ? D'avoir des parents de gauche. C'était qui ? C'était pas Darmanin à propos, il disait, c'est militant d'ultra-gauche, enfant de prof. C'était pas ça ? C'est lui, c'était Darmanin, le coup des enfants de prof. Enfant de prof. enfant de... membre de l'éducation nationale, mes parents, ils ont été profs, après ils ont été proviseurs, enfin bon, bref. Donc voilà, enfant de l'éducation nationale. Ouais. Ce livre, il nous parle du prix de la sexualité, mais qu'en est-il de celui de l'amour que vous nous transmettez à travers l'histoire de votre frère ? Effectivement, parce que ce qui peut paraître un peu bizarre, c'est que je disais enfant de prof et machin et tout, mais dans ma famille, justement, il n'y a pas vraiment de masculinité toxique. Mon père, il n'est pas... comme ça, je l'ai jamais vu tenir des propos sexistes ou dire du mal d'une femme ou je sais pas quoi. Enfin, il est pas comme ça et mon frère, il était pas comme ça non plus. Donc j'ai été les hommes qui m'ont entourée, qui m'ont élevée, ce sont des hommes qui n'étaient pas dans cette masculinité toxique là et qui, en ce qui concerne mon frère, ont été broyés par ce système là. C'est pour ça aussi que je dis les hommes aussi ont intérêt à se sortir de ça parce que les hommes les plus faibles. Ils sont vite broyés par les hommes les plus forts, en fait, dans toute cette histoire. Donc oui, vu que j'ai été entourée d'hommes comme ça, je pense que toute ma vie, je serai à la recherche ou j'étais à la recherche justement d'hommes qui sont pas comme ça, qui sont pas dans ce truc de domination, de machin, tout ça. Enfin, et je pense aussi que je pense qu'il y a un lien quand même avec cette grève du sexe qui fait que j'encaisse aussi bien cette grève du sexe, c'est que je pense que je recherche chez mes compagnons de vie, parce que voilà, j'ai des amis que j'aime éperdument. Ce que je cherche dans mes compagnons de vie, c'est justement une relation désexualisée. Parce que je cherche mon frère perdu dans chacune de mes relations avec... de mes relations, je ne parle pas amoureuse, hein, je parle de mes relations, mes interactions avec les hommes. Les hommes de ma vie sont des frères de substitution, parce que mon frère à moi est parti trop tôt, en fait. Et je pense que c'est ça que je recherche dans ces relations. Et c'est ce qui fait que j'encaisse bien la grève du sexe, c'est que finalement, ce n'est pas ça que j'attends, c'est une relation complètement désexualisée. Je ne sais pas si je suis claire dans mon histoire, mais... Par rapport à ça, justement, à votre frère, est-ce que c'est ça qui peut être le prix trop élevé de l'amour aussi ? Est-ce que c'est ce qui lui est arrivé ? Oui, moi, quand on me parle de « Ah, l'amour, c'est fantastique », je vois les fumées noires du crématorium, en fait. C'est bien sûr que c'est à ça que je pense. Et parfois, je me pose la question, je me dis « Mais si moi aussi, je me laisse... envahir dans une relation amoureuse ou je sais pas quoi, est-ce que je vais pas finir comme lui, les poignets dans une bassine ?»
Donc c'est ça aussi qui fait que l'amour, je m'en méfie. Vous en méfiez, vous en protégez peut-être dans ce que vous appelez cette parenthèse du sexe aujourd'hui. Est-ce que néanmoins, il y a une part de vous qui espère en sortir un jour, qui se dit que vous pourriez peut-être canaliser cette belle énergie avec des hommes pour révolutionner peut-être les choses et réinventer la sexualité aussi? Mais pour le moment, quand je dis il y a des hommes que j'aime éperdument autour de moi, mais vraiment, et je pense que c'est avec eux que j'ai envie de faire révolution. Non, mais à défaut de faire l'amour. Et bien sûr qu'il y a... Enfin, moi, j'ai espoir de continuer, en tout cas, à nouer ce type de relation-là et d'avancer avec eux. Mais je ne crois pas que ce soit possible en couchant avec. À suivre. En tout cas, si vous le souhaitez à votre tour, sachez qu'Ovidie se fera un plaisir de signer son livre et de discuter avec vous si vous le souhaitez. Merci beaucoup, et encore merci. Ovidie, à vous, à Position Parallèle et à vous.